bonjour Henri. Bonjour Philippe. Je suis très heureux de t'accueillir pour cette 13e édition des Rencontres du Chef. Merci beaucoup. Quelle recette vas-tu nous proposer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va réaliser une recette autour d'un sablé de boudin grillé relevé au Pika Berdea. Ça va être une petite réduction de kiwi et manzana de chez la maison Pierre Oteiza. Et tout ça servi avec des petits légumes glacés autour du radis, la tomate cerise et de l'oignon fan. Très bien. Alors, par quoi allons-nous commencer? Alors, on va tout d'abord commencer par faire la gelée de Pika Berdea. On va commencer par peser le Pika Berdea. Il va nous en falloir 200 grammes. Donc, Pika Berdea, ce sont ces flacons là. Donc, de la maison de Pierre Oteiza, tu nous as dit. Voilà. Quelque chose qui va nous amener un peu d'acidité. On va l'adoucir avec un peu de miel. Donc je vais mettre 200 g de Pika Berdea. Alors la gelée est composée de Pika Berdea, donc c'est cette sauce à base de kiwi. Kiwi, réduction avec du manzana. Et on va l'adoucir avec le miel. Et la gélifier avec donc, de la gélatine alimentaire. La gélatine qu'on va mettre dans de l'eau froide pour qu'elle soit bien ramollie. Qu'elle se ramollisse et qu'elle puisse bien se fondre dans la préparation qu'on va chauffer. Voilà. On va prendre. Alors 200 g de Pika Berdea, 50 g de miel. Donc le miel, on peut prendre le miel de son choix. Voilà, le miel qu'on a au quotidien. Ça va permettre d'adoucir le Pika Berdea. Et ça va permettre aussi, le but ça va être de gélifier cet appareil et après de démouler des petits, cet appareil qu'on va mouler dans un Gastroflex. Dans ces moules Gastroflex qui sont des moules en silicone. Et ça va nous permettre de gélifier, de donner un petit côté laqué sur la tranche de boudin qu'on va griller. Très bien. Donc on fait chauffer la préparation. Bien faire attention que ça accroche pas parce que des fois si on ne surveille pas, le miel peut vite accrocher. Donc voilà, notre gelée, on va la préparer, on va mettre le Pika Berdea, le miel, on va bien remuer parce qu'il faut bien faire attention que ça accroche pas. Et là, on va rajouter notre feuille de gélatine qu'on a mis à ramollir, on va bien la presser pour enlever l'excédent d'eau. Voilà. Et on va faire disparaître tout ça tranquillement. Alors le but n'est pas de faire une cuisson du Pika Berdea, c'est juste le réchauffer de façon à pouvoir faire fondre la gélatine dedans et donc obtenir une préparation gélifiée au bout du compte. Voilà, c'est une opération qui est conseillée de faire la veille pour bien que ça puisse prendre bien au frigo toute la nuit. Toute la nuit et puis après le démoulage va se faire très facilement. Alors la technique d'incorporation de la gélatine, c'est tout le temps pareil. Que ce soit pour un entremets ou que ce soit une préparation salée, la gélatine, ce sont des feuilles qu'on fait tremper dans de l'eau froide. Toujours de l'eau froide, sinon la gélatine va fondre directement dans de l'eau chaude. Une fois qu'elle est ramollie, on l'égoutte bien pour retirer l'excédent d'eau. Et après, on l'incorpore dans la préparation qui, elle, est au préalable réchauffée. Et dans le cas d'une mousse de fruits, par exemple, on laisserait refroidir la préparation avant de continuer la recette avec de la crème fouettée. Bon, ici, c'est une gelée, donc la préparation est quasiment terminée. Nous allons la mouler dans les moules Gastroflex et la laisser prendre au frigo. Donc, les moules Gastroflex, ce sont des moules qui se présentent comme ceci. Ils ont tous ce format-là. Ils sont en silicone alimentaire, ce qui permet un démoulage très facile. Voilà, donc je vais couler tranquillement l'appareil. Donc on a bien pris la précaution de mettre le Gastroflex sur une plaque parce que le contraire, ça serait un peu plus compliqué. Si on n'y avait pas pensé, on aurait du mal à déplacer le Gastroflex avec la préparation dedans pour la mettre au frigo. Tandis que là, il suffira simplement de partir dans le frigo pour faire gélifier la préparation. Voilà, donc comme l'a dit Henri, l'idéal est de le faire la veille, donc on le laisse au frigo jusqu'au lendemain, tranquillement, on n'a plus rien à faire de ce côté-là. Henri, seconde étape. Deuxième étape, on va réaliser un sablé salé, mais on va commencer d'abord par les ingrédients. On va prendre de la farine, de la fécule, de l'eau, de l'œuf entier, jaune et blanc, du sel et du beurre. La petite précaution qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre un beurre bien ramolli pour bien que le mélange se fasse avec l'eau. C'est l'étape la plus longue. D'accord. Donc, on va mettre ce beurre ramolli dans le KitchenAid. Et là, on va rajouter de l'eau. Et maintenant, on va installer ce KitchenAid. Alors, le KitchenAid, qui est un batteur qui permet de faire différentes préparations en cuisine, autant salé que sucré. Il est équipé de 3 outils. Donc, on a la feuille qui permet de faire des pâtes, genre pâtes brisées, pâtes sablées, comme aujourd'hui. Ou alors le fouet qui permet de battre, de monter des blancs en neige, de faire des mayonnaises d'émulsionner. Ou également le crochet qui permet plus de faire des pâtes genre brioche, les pâtes levées, qui ont besoin de beaucoup de fouettage et d'incorporation d'air. Donc, la petite précaution qu'on va prendre, c'est qu'on va commencer à faire tourner le KitchenAid tout doucement parce que ça risque d'avoir des projections d'eau. Voilà, c'est l'opération la plus longue. Ça va mettre un peu de temps pour que cette eau s'incorpore bien dans le beurre. Et après, ça sera un jeu d'enfant. Donc Henri, ça y est, notre beurre est incorporé dans l'eau. Voilà, ça a pris une grosse minute. Maintenant, on va bien récupérer tout le beurre qui est dans la feuille. Voilà. Et maintenant, bien ramener tout ça au milieu. À la maryse. À la maryse. Donc la maryse qui est une spatule en caoutchouc qui permet de bien corner les bords du récipient et de récupérer bien toutes les marchandises. Et maintenant, on va rajouter la farine et de la fécule. Et on va prendre une petite précaution. On va bien tamiser tout ça pour éviter d'avoir des petits morceaux. Donc. Alors, quand on parle de fécule, on utilise la fécule de pommes de terre. Tout à fait. Et non pas de maïs. Donc, le tamis à farine, qui est un petit ustensile très pratique, qui permet de tamiser les farines, les sucres glaces. Donc on met la farine dans le tamis et par un mouvement de la main, la préparation s'écoule toute seule et enlève donc tous les grumeaux qui pourraient se former lors du pétrissage. Voilà, là on aura une farine et une fécule de terre bien fine. Voilà, on tape bien sûr le tamis pour que toute la farine passe, qu'il n'y ait pas de farine qui reste à l'intérieur, ce qui modifierait les proportions de la recette. Voilà. Voilà, on a notre beurre qui est ramolli. On va même rajouter le sel. Dans le sel qu'il faut peser pour avoir une pâte suffisamment salée. Il ne faut pas le faire au pif, sinon ça sera soit trop fade, soit trop salé. Maintenant, on remet ce bol avec, on va remettre la feuille et là tout doucement on va faire tourner, pareil, même principe que tout à l'heure avec l'eau, si on met à grande vitesse il va y en avoir partout et là on commence tout doucement et là l'opération il faut qu'elle se fasse assez rapidement parce que plus on fera tourner, plus on va obtenir une pâte élastique, ça va pas être du tout d'accord. Voilà, donc là ça va, ok, on va rajouter l'œuf battu. Et là, vous avez une pâte qui va se ramasser tout doucement. Dès que vous avez Dès qu'on voit que le récipient commence à être propre, tranquillement, que tous les ingrédients sont mélangés, homogènes, on arrête. Voilà. Et si c'est pas tout à fait homogène, il vaut mieux qu'on l'arrête et qu'on la finisse à la main. Voilà, là on va l'arrêter à la main. On va toujours récupérer notre maryse. Voilà. Maintenant, même principe, on enlève tout ce qui est autour. C'est très important de ne pas trop la faire tourner, cette pâte. Sinon, après, vous avez du caoutchouc, ça ne va pas être du tout agréable. Le terme exact, c'est ne pas trop la corser. Voilà. À la cuisson, ça donnerait une pâte vraiment cassante, avec une impression de manger du carton. Voilà. Et là, ce qu'on veut, on veut quelque chose de très très friable, qui va bien se mélanger avec le côté rustique du boudin et la douceur du Pika Berdea. Voilà. Maintenant, je vais tout ramasser et je vais tout mettre ça sur mon plan de travail. Voilà, je vais prendre un peu de farine. Donc tu fleures ton plan de travail. Et voilà. En fait, tu vas mettre ta pâte en boule. Voilà. Et la laisser reposer. Je vais juste lui redonner une petite forme. La travailler légèrement, pas trop. Voilà. Et là, regardez. On va ramasser tout ça. Voilà. Et là, ta pâte est prête. Tu la laisses reposer environ 2 heures. Donc l'idéal pour ne pas qu'elle croûte, c'est de l'envelopper dans un papier film et au frigo. Cette pâte peut également être faite la veille. Donc c'est une recette assez facile à faire parce qu'on peut préparer tous les éléments la veille et le jour où on veut la consommer, il n'y a plus qu'à finir. Et même si on veut, on peut la préparer la veille, le lendemain on l'étale et on peut même faire nos petits rectangles qu'on va faire tout à l'heure et les congeler. Ça se tient très bien, c'est une pâte qui est très très agréable. Les congeler crus. Voilà, tout à fait. On va les congeler crus et c'est une pâte qui va peut servir aussi pour faire les pâtés en croûte. Qui est très, quelque chose de très très friable, de très très agréable. Donc on n'a pas quelque chose de compact qui... Et ça je trouve que c'est un bon mariage avec le boudin. Très bien. On va prendre des radis, des petites tomates cerises, des petits oignons fans. On va glacer à brun ces petits radis, ces petits oignons fans. Et au dernier moment, on va mettre cette petite tomate cerise. Donc, très simplement, vous allez prendre la petite... Voilà. On va les garder entières. Donc, la petite précaution, se prendre des radis pas trop grosses. On va faire pareil avec l'oignon fan. On garde juste un peu de vert. On enlève bien tout ça. Et tous ces légumes... Donc vous choisirez dans vos légumes les plus petits, de façon à ce que ce soit harmonieux et uniforme. Alors si vous avez des asperges aussi, ça va très bien aller, ça va être un joli mariage. C'est un peu des petits légumes qui vont cuire assez vite. Si vous avez de tout petits navets aussi, on va amener un petit côté glacé. Voilà, on a un joli... Et tous ces légumes, on va les laver. J'en ai assez ? Oui, j'en ai assez. D'accord. Henri, nos légumes sont prêts, tu as été les rincer sous un filet d'eau claire. Voilà, donc j'ai mes petits radis, mes petites tomates cerises, mes oignons fans. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va les glacer à brun. Alors je précise juste une chose avant. Nous avons mis notre four à préchauffer à 180 degrés, car pendant que les légumes cuisent, nous allons faire les fonds de tartelettes et les mettre à cuire. Et il faut que le four soit préchauffé. Voilà, très important. Et deuxième chose très importante, les légumes, on va les cuire dans une poêle assez large. Le but, c'est que les légumes ne soient pas entassés, qu'ils puissent cuire en même temps, qu'ils puissent glacer. Sur une seule couche, il faut qu'ils soient. D'accord. On peut le faire dans une casserole également. Hein. Voilà. Donc, on va prendre une petite poêle. Donc, tu parlais de glacer à brun. Donc, glacer à brun, c'est une technique qui permet de cuire le légume dans de l'eau, dans un petit peu de beurre, et avec un petit peu de sel et un petit peu de sucre. Voilà. Et on va prendre la précaution de commencer par les légumes les plus durs, c'est-à-dire les radis et les oignons fins. Ici, nous avons trois légumes différents qui ont une durée de cuisson qui diffère également. Donc, si on mettait tout en même temps, les tomates, à la fin de la cuisson, elles seraient complètement éclatées et elles ne ressembleraient plus à rien. Donc, les tomates, ici, seront cuites en dernier. Dans d'autres préparations où on peut glacer que des petits oignons, là bien sûr on va tout cuire en une seule fois. Donc en résumé, les radis dans voilà, je vais mettre mes petits radis, mes petits oignons fans, bien répartir tout ça. Je vais mettre un fond d'eau. Voilà. On va rajouter du beurre. On va rajouter du sucre. Voilà. Et on va rajouter du sel. Alors ici, on parle de glaçage à brun. Pourquoi à brun? Parce que les légumes auront une coloration en fin de cuisson. Et la coloration, c'est le sucre qu'on vient de mettre qui va caraméliser. Donc le but de la cuisson, c'est que toute l'eau qu'on a mise dans la poêle se réduise. Donc on aura une cuisson à sec. Et le sucre, en fin de cuisson, va caraméliser et enrober les légumes de ce petit caramel qui donnera donc un glaçage à brun. Et les petites tomates cerises, on va les rajouter vraiment au dernier moment. Même si c'est pas cuit à l'intérieur, c'est pas trop important. Le but, c'est que quand on va manger, on veut le côté glacé à brun des radis, des oignons fans, et presque, on veut presque la tomate crue à cœur qui va exploser dans la bouche, qui va amener un peu de fraîcheur. Très bien. Ici, nous utilisons une poêle qui est une nouveauté chez MeilleurduChef.com. Non, c'est la poêle Pixel. Alors, la particularité de cette poêle, elle est en inox. Elle a un revêtement anti-adhérent sans PFOA, dont le PFOA, c'est les matières nocives dont on parle souvent, qui sont dégagés pendant la cuisson par les revêtements anti-adhérents. Ici, nous n'avons aucune matière nocive. Et également, sur le fond de la poêle, nous avons une grille en inox qui s'appelle grille nid d'abeille, qui permet de protéger le revêtement, ce qui nous permet d'utiliser des spatules. On peut frotter le fond de la poêle sans abîmer le revêtement, sans exagération bien sûr, mais on peut utiliser des ustensiles métalliques. Et ça, c'est très important. Je tiens à préciser que c'est ma poêle coup de cœur. Vraiment, je l'utilise depuis quelques semaines et j'en suis vraiment très très content. Donc, nos légumes ont commencé à prendre une petite ébullition. Voilà, nous allons les couvrir. Donc, plutôt que d'utiliser un couvercle métallique, il existe une technique avec un papier sulfurisé. Donc, il suffit de plier le papier sur lui-même, comme ceci. On prend le rayon de la poêle, on coupe le papier à la longueur du rayon. On fait un petit trou au milieu pour faire une cheminée. On le déplie. Et on l'applique ainsi sur les légumes. Ça permet de faire une cuisson à l'étouffée. Et il faut vraiment le cuire à feu modéré, il ne faut pas que ça aille trop fort. Pas trop fort parce que sinon les légumes ils peuvent éclater. Et ça, nous, le but, c'est qu'on retrouve tous nos légumes entiers dans l'assiette. Et bien glacés. Donc la cuisson sera terminée lorsque l'eau se sera entièrement évaporée. Et lorsque le sucre aura caramélisé un petit peu. Seconde technique, puisqu'on en parle, on parle de glaçage à blanc ou glaçage à brun. Ici, on fait un glaçage à brun. Le glaçage à brun, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut stopper la cuisson avant que le sucre caramélise. Donc, les légumes sont brillants, mais ils restent blancs. Tout à fait. Henri, nos légumes sont en train de cuire tout doucement. En parallèle, nous allons préparer les fonds de tartelettes. Tout à fait. C'est une pâte qu'on a laissée reposer pendant 2 heures. Donc 2 heures, c'est 2 heures minimum. Hein. Tout à fait. Alors, on peut la faire à la veille et laisser toute la nuit dans le frigo. Voilà, et maintenant on va donc fleurer le plan de travail. Fleurer le plan de travail et on va y aller tout doucement. C'est une pâte qui s'étale très facilement. Voilà, toujours le mouvement de bien, pas toujours laisser au même endroit. On n'écrase pas. Oui, le but de fleurer, c'est que la pâte n'attache pas au plan de travail. Donc, lorsque la pâte commence à accrocher un petit peu, on fait comme Henri, là, le geste de ramasser toute la farine qui reste sur le plan de travail de façon à éviter qu'elle n'accroche. Et si, bien sûr, on n'a plus de farine, on en rajoute un petit peu. Voilà. Et la petite précaution à prendre, c'est de ne pas mettre trop de farine non plus parce qu'on ne veut pas quelque chose non plus de désagréable après au goût. On veut quelque chose qui soit friable, mais... Et ça modifierait les proportions de ta pâte. Voilà. Ça la rendrait farineuse et désagréable en bouche. Donc tu l'étales sur quelle épaisseur? On va l'étaler sur à peu près 5 mm. D'accord. On va bien surveiller les légumes en même temps. Donc on l'entend chanter, voilà. Ça signifie que l'eau réduit et que ça commence à, voilà, à dorer. Là, on est presque arrivé. Voilà, une pâte qui se travaille très très facilement. Voilà. Maintenant, on a étalé notre pâte et un jeu d'enfant. On va prendre un emporte-pièce. Un porte-pièce rectangulaire de 8 cm par 4. Et il faut compter 2 fonds de tartelettes par personne environ. Donc ici, nous les mettons sur une plaque à pâtisserie recouverte d'une toile silpate, donc qui est une toile en silicone qui résiste à la cuisson. Voilà, on dispose bien nos petits rectangles et nous allons donc les cuire à four préchauffé 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, très bien. Pas quelque chose de trop cuit. Pendant que nos fonds de tartelettes sont au four en train de cuire, nos petits légumes, les radis et les petits oignons fans sont presque prêts. Et là, ce qu'on va faire, on va rajouter nos petites tomates cerises. Et voilà, toujours pareil, un mouvement, pas trop les brusquer, ces légumes. La petite tomate cerise, les oignons fans et les radis. Ça permet de bien les enrober, voilà, de la bien préparation. Les enrober. Et vous avez vu, les tomates, je ne les ai pas coupées en deux. Je les ai laissées comme ça. C'est pas trop... Parce que si on les coupe en deux, ça risque de partir un peu en confiture. Mais la peau va éclater d'elle-même. Ouais, même si elle éclate pas, c'est pas trop. Voilà. On remet le petit papier et on va laisser tout doucement. Donc Henri, nos fonds de tartelettes sont cuits. Donc 10-12 minutes se sont écoulées. Voilà, on est en train de refroidir tranquillement. Du four, voilà. Nos légumes sont presque cuits. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler le produit phare, c'est-à-dire le boudin de chez Pierre Oteiza. C'est un boudin issu du cochon pie noir de la vallée des Aldudes. En 1985, Pierre, grâce à quelques éleveurs, il a remis en valeur ce cochon qui était en train de disparaître. Et puis, dans cette vallée des Aldudes qu'il faut vraiment aller visiter, il y a une rigueur du territoire, mais il a su en faire, de cette faiblesse, il a su en faire une force. Et c'est vrai que tous ces produits aujourd'hui se retrouvent dans toutes les meilleures tables de France, et dans le Canada, au Japon. Et c'est vrai que je parle du Japon, mais il y a un petit esprit du Japon aujourd'hui avec le côté laqué. Et on va s'amuser avec ce produit qui est peut-être pas forcément noble, mais qui est d'un caractère, qui a de très bon goût. Et on va le revisiter avec un habit de fête. Donc, je vais prendre ce boudin que je vais juste enlever la première peau et je vais faire des belles tranches bien épaisses, environ 2 cm. Voilà. On va prendre tranquillement et après, on va prendre une poêle et on va les cuire à la poêle de chaque côté. On va commencer par les saisir pour faire une jolie croûte. Donc on les met dans une poêle chaude pour les saisir. Voilà, je vais en prendre un autre. Donc tu comptes 2 tranches par tartelette? On va mettre, oui, 3 belles tranches par personne, ça va faire une jolie entrée. Voilà. Pareil, même principe, une poêle assez large, pour pas que ça s'entasse, tout ça, et bien, pas trop les serrer pour qu'on puisse bien les travailler, bien les retourner. D'accord. Donc Henri, on a sorti notre plaque de gelée qui était au frigo. Ton boudin a cuit 5 minutes. Voilà, 5 grosses minutes. On l'a bien coloré, on lui met une jolie petite croûte. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre cette gelée délicatement qu'on va poser sur chaque tranche de boudin. Pour le démouler, c'est très facile. Il suffit de prendre une cuillère à café, de contourner l'empreinte du moule. Et puis de soulever comme ceci avec la main et ça se décolle tout seul. Donc on va préparer, on a 9, 10, 11... On a 11 tranches, donc on va préparer 11 petites gelées. Alors la petite précaution à prendre, c'est les démouler tranquillement sur une petite planche ou une petite place. Et après, les poser et les mettre directement au four. Parce que si on s'amuse à démouler et à mettre au fur et à mesure, la première va fondre, que la dernière ne sera pas mise. Le but, c'est quand même que tout soit mis ensemble. Tout soit mis ensemble. Donc Henri, nos boudins sont cuits, nos gelées sont toutes démoulées. Donc maintenant, on va positionner une gelée sur chaque tranche. Voilà, on va prendre chaque tranche de gelée et on va positionner . Vous voyez, il faut que ça aille assez vite, sinon la première tranche. Que toutes les gelées fondent en même temps sur, sur la tranche de boudin. Voilà, on a une... Et tout ça, on va le mettre au four. Environ 30 secondes. D'accord. En fait, la gelée va fondre sur la tranche de boudin et elle va napper la tranche et faire un petit peu le principe du laqué. Du laqué. Aspect quelque chose de brillant, brillant et amener un peu de sucre dans ce boudin. Donc, dans 30 secondes, la gelée sera fondue et on va pouvoir procéder au dressage. Tout à fait. Donc, Henri, tu viens de sortir les boudins du four. Donc, on peut voir que la gelée a bien fondu et qu'elle a vraiment nappé chaque tranche de boudin. Voilà, nos boudins sont laqués, nos petits légumes, ils sont bien glacés à brun, nos petits sablés sont prêts, on a gardé des petites gelées comme ça, juste fraîches, pour amener un côté de fraîcheur. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va dresser, tout simplement. On va prendre une jolie assiette blanche, et là, le but, c'est quand même de faire quelque chose un peu aérien. On va tout d'abord déposer deux petites gelées. On va amener le petit croquant de sablé. Voilà, comme ça. Et là, on va poser le boudin bien chaud, très important. Voilà, quelque chose de bien réparti dans l'assiette. On va prendre nos petits légumes. Pareil, on va répartir tout ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va finir avec le jus de cuisson du boudin, Pika Berdea, qui a fondu légèrement. On va amener quelques petites touches comme ça. Donc c'est la gelée qu'on avait au départ, hein, qui a fondu. On va amener des petites touches qui nous sert de sauce. Et pareil, avec petit voilà, et notre assiette est prête. Il faut la déguster. Tant que c'est chaud. Tant que c'est chaud. Merci Henri pour cette recette très originale. Merci de m'avoir accueilli. Et j'espère te revoir très vite pour une rencontre du chef. Avec plaisir. Merci beaucoup.